Les forces irakiennes lancent une nouvelle offensive pour reconquérir la partie occidentale de Mossoul. Ces images d'Amaq, l'agence du groupe État islamique, montrent d'intenses bombardements terrestres et aériens. Après avoir pris le contrôle total de l'est de la cité en janvier, les forces irakiennes appuyées par une coalition internationale emmenée par Washington visent désormais la reprise de la partie occidentale. La bataille entre ce lundi dans sa deuxième journée, après la reconquête la veille de positions au sud de la ville. L'offensive a été lancée dimanche à l'aube. 15 villages ont été repris dans la journée au sud de Mossoul, sur le chemin menant à l'aéroport, l'un des principaux objectifs des troupes irakiennes, selon des sources militaires sur place. Le sort des 750 000 civils assiégés dans l'ouest de la deuxième ville d'Irak inquiète les organisations internationales. L'ONG Save the Children a appelé à tout faire pour protéger les 350 000 enfants présents dans l'ouest de Mossoul.